Bon, voilà, bon, ben bonsoir à tout le monde. Je pense que le son, c'est bon. Est-ce que vous me recevez fort et clair? Aïe, aïe, aïe. La technique, c'est vraiment. Voilà. Alors, ce que je disais, ça fait longtemps, je suis désolé. Avec Internet, c'est toujours comme ça. Avec l'informatique, l'électronique, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, ça veut bien dire, en mer, faites pas confiance à 100% à l'électronique. L'électronique, c'est que 50%. Même l'outil comme le GPS, qui est un outil hyper bien, on doit lui faire confiance qu'à 50%. Toujours le sens marin, c'est de ne pas faire confiance à l'électronique tout à 100%. Voilà, alors ce que je vous ai présenté, c'était la Corse. Vous l'avez vu comme elle est belle? Donc ça, la Corse, c'est un joyau. Normalement, cet été, on va pouvoir naviguer en Corse. Et ben, on ne va pas s'en priver. Voilà, donc dans ce live, la première partie, ça va être de regarder le jeu. Donc, on a fait un jeu il y a 2 semaines. Et le jeu, en fait, c'était la règle des 8 chi. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai fait un live sur la brassière, où on a ouvert une brassière. La brassière, c'est le gilet de sauvetage. Et en fait, j'ai donné, moi, ma règle que j'appliquais quand est-ce que je faisais mettre la brassière et quand est-ce que je mettais la brassière. Et cette règle, c'est lié à la règle des 8 chi. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle des 8 chi? C'est 8 moments où je vais mettre ma brassière. C'était des mots, c'est des mnémotechniques, c'est une règle qu'on doit s'appliquer. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Il fallait trouver 8 mots en i. Le premier i, vous pouvez commencer, continuer à jouer, même s'il y a un petit décalage. Le premier i, c'est quand je vais naviguer de nuit. Parce que quand je navigue de nuit, donc la brassière, c'est le gilet de sauvetage et la longe pour s'attacher. La brassière, ça ne sert pas uniquement si je tombe à l'eau. Ça sert aussi pour m'attacher avec la longe pour ne pas tomber à l'eau. Donc le premier i à trouver, le premier moment où je dois mettre ma brassière, c'est de nuit. Parce que de nuit, si je tombe à l'eau, il faut considérer que je suis mort. C'est ce que je disais c'est ce que je dis à mes équipiers. Quand on fait des quarts, des navigations par quart, où ils se retrouvent seuls ou à deux, il faut considérer que si tu tombes à l'eau de nuit, c'est chaud pour toi. Donc, premièrement, de nuit. Deuxièmement, quand je réduis la toile, quand je prends un ri, parce que le vent il commence à forcir, c'est le moment de mettre sa brassière avant de prendre le ri. Et souvent, quand je prends un ri, il va falloir que je manœuvre des fois sur le pont. Donc, le ri. De nuit, le riz, pipi. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez faire pipi derrière, il y a des capitaines qui disent qu'on ne peut pas faire pipi par-dessus bord. Moi, ça ne me dérange pas, mais par contre, on met sa brassière et on met sa longe. Pipi. Si vous êtes inspiré, n'hésitez pas. Hein. Je vois Laetitia, elle avait marqué de nuit, mais c'est pas ça. De sous pluie. Alors, donc. J'en étais où? Vomi. Si quelqu'un est malade, c'est le quatrième i, c'est vomi. Donc si quelqu'un est malade, on va le mettre dans un coin plutôt sous le vent. Sous le vent, ça veut dire à l'arrière du bateau. Et de fait que s'il vomit, il ne vomit pas sur le bateau. Et on va l'accrocher avec la longe. Comme ça, au moins, lui, il est sécurisé. Sans sécurité, s'il veut vomir, souvent, ils ont tendance à vouloir passer par-dessus bord pour ne pas salir le bateau. Et avec les vagues, parce que quand on est malade, c'est souvent qu'il y a des vagues, ils peuvent passer par-dessus bord. Donc comme ça, moi, en tant que capitaine, je ne suis pas les yeux rivés sur la personne qui est malade. J'ai pas de risque de moi de tomber malade. Et en plus, il est sécurisé pour lui, c'est bien. Vomi. Après, il y en a un, c'est spi. Quand je navigue sur spi. Parce que là, le spi, c'est une voile puissante. On a besoin souvent des deux bras pour la descendre, pour l'affaler. Et quand en fait, je descends ma voile, j'ai besoin des deux mains. Donc, je suis pas vraiment très stable, je suis comme ça. Et en plus de ça, je peux me faire embarquer. Et bien la longe, là, ça peut faire. En fait, ça peut être la troisième main qui me tient. Et quand je suis sous spi, si jamais il y a quelqu'un qui passe à l'eau pour manœuvrer, faire le retour et manœuvrer, récupérer la manœuvre de l'homme à la mer sous spi, c'est le dernier niveau de la formation. Je le fais peu parce qu'il faut déjà maîtriser les autres manières de récupérer un homme à la mer, mais récupérer un homme à la mer sous spi, c'est très dur. Donc quand on est sous spi, brassière. Et on s'attache avec sa longe. Donc si je résume, j'ai dit. De nuit, quand je prends un riz, sous-spi, vomi, pipi,
J'en suis à 5 et il m'en faut 8. En équipage réduit, donc en équipage réduit, c'est quand je suis seul ou quand on est deux. Quand je suis seul ou quand on est deux, il faut mettre sa brassière et sa longe. Équipage réduit. Première sortie. Quand c'est la première sortie, je suis capitaine. Alors ça, même en tant que moniteur de vol, je le fais. C'est la première sortie, c'est-à-dire que j'accueille des gens que je ne connais pas, qui ne sont jamais venus sur mon bateau. Eh bien, on me fait mettre la brassière. Dès la première sortie, même si le vent est beau et tout, quitte à le enlever une heure après. Mais au moins, tout le monde a mis sa brassière, tout le monde sait la mettre. Et je n'ai pas besoin de l'expliquer. Si le vent monte d'un coup ou qu'il faut mettre sa brassière, tout le monde sait la mettre, tout le monde sait où elle est. Voilà. Donc, première sortie. Et je crois que j'en étais à 7. La septième, c'est les petits. Quand c'est les petits. Alors, quand c'est les petits, déjà, quand ils ne savent pas nager, voilà, première sortie, Thomas, oui, effectivement. Quand c'est les petits, quand ils ne savent pas nager, il faut qu'ils mettent leur brassière, c'est sûr, là, il n'y a pas de question. Après, quand ils sont un peu plus grands, ça, c'est de la responsabilité du capitaine. Si c'est vos enfants, c'est de votre responsabilité. Quand moi, ce n'est pas mes enfants qui sont à bord, dans tous les cas, je vais mettre la brassière, parce que ce n'est pas mes enfants. Quand ils sont mineurs, brassière pour les enfants, tous. Et si c'est vos enfants, je vous laisse décider, c'est vous, le chef de votre famille, voilà. Et je crois qu'il m'en manquait un. De nuit, soupir, rire, vomi, équipage réduit, petit, première sortie. Et il m'en manque un. Alors on va aller voir. Donc il m'en manque un. Maintenant je vais aller voir les gagnants du jeu. Parce qu'il y en a qui ont joué au jeu. Voir la vidéo, le live 4, je te présente ma brassière. Donc on va aller voir un petit peu. Qu'on donnait les réponses, il m'en manque une. Donc, alors, il y a Manu Reva qui a joué et qui, lui, avait que 5 i. Il avait dit forci, nuit, priserie, réduit, fuit. Donc, il en a là, c'était pas ça. Tony, prendre un riz, souspit, c'est bien. De nuit, c'est bien. La pluie, non. Rouli, non. J, non. Forci, forci. Alors en fait, forci, c'est la prise de rire. Risque le voilier senti chaviré par l'avant. Non, c'est pas ça. C'est pas les trois. Il y avait trois juste. Hervé qui nous disait l'état de la mer, navigation solitaire, de nuit, car, manœuvre sur le pont, orage, montée au mât. Non, c'est pas. Enfin, il n'y a pas tout. Serge qui nous disait que tu allais voir les boréales, les voiliers boréales. Donc il n'a pas joué au jeu. Ok, Robert qui nous disait la nuit, prendre un riz, mode survie, équipage réduit pour les petits, intempéries, nappe sous spi, vomi, pas dormi. Ça va pas m'aider, il m'en manque toujours un là, dans ma petite tête. Il me manque un. Il y a les 8 i, j'ai dit les 8 i. La nuit, quand on prend un riz, équipage réduit, les petits. Soupir, vomi, dormi. Alors lui, alors Jean-Robert, il est pas loin et il en manque. La nuit, c'est bon. Quand on prend un riz, c'est bon. En équipage réduit, c'est bon. Les petits, c'est bon. Nave soupir, c'est bon. Vomi. Première sortie, il n'a pas dit. Bon, il m'en manque un. Je suis désolé, il m'en manque un. Je ne me rappelle plus, là. Tac, tac, tac. Mettez-moi en commentaire, hein, si j'ai fait une erreur. Ok, bon, je ne sais pas si j'en suis au 8. Faites voir les commentaires, s'il y en a qui ont suivi. Ok, bon. Regarde les commentaires. Et pipi. Oui, et pipi, voilà, et pipi. Donc ça fait 8. Et pipi. Navigation de nuit, souspi, équipage réduit. Pipi, vomi, première sortie. Petit.
Et Titi, non, je m'en rappelle plus. Bon, on n'est pas loin. Bon, vous avez compris la règle, c'est la règle des Vichy. Là, comme ça, ça fait 2 mois qu'on est à terre, je l'ai oublié. Mais ça va me revenir, vous inquiétez pas. Peut-être que d'ici la fin du live, ça va me revenir. Donc là, comme je vois, ce que je voulais dire, c'est que apparemment, alors il y a d'autres personnes qui ont joué. Prise de riz, Sandy, petit, équipage réduit. Coup de gîte, roulis, incendie. Voilà, est-ce qu'il y a personne qui peut m'aider là? Je suis perdu. J'ai pas trop encore un petit engrenage en cours. Whisky, ouais. C'est whisky, c'est Serge qui dit whisky, oui, c'est faut doucement sur le whisky, sinon on n'a plus de mémoire comme moi. Bon, ben, tant pis. Allez, on va dire que. Alors, donc il y avait. Par contre, il va falloir départager Jean-Robert, Eric. Et Thomas. Bon, alors ce que je vais faire, c'est qu'en description de la vidéo, je vais faire gagner 2 personnes qui gagneront le parcours de e-learning sur mon site internet. Il y aura 2 personnes. Donc ça sera soit sûrement Thomas, Eric ou Jean-Robert. Je vous dirai. Alors apparemment, on me dit à la régie que lui. Riz, pipi, vomi, spi, réduit, première sortie, petit, tu as les 8. Ouais, alors j'ai les 8, donc c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de mathématiques. Je suis tellement nul en mathématiques, j'ai pas réussi à compter sur mes doigts. Donc, il y a les 8. Donc on est bon. Les gagnants, voir dans la description de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pendant ce moment de confinement, alors je vous avais parlé de Tabarly, qui est pour moi. Un grand marin, mais c'est pas que pour moi, hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est un grand marin, Éric Tabarly. Et donc là, pendant ces moments où on est confiné, je suis en train de lire, je relis pas mal de livres, là, des vieux livres que j'avais. Et en lisant le livre, je vous lire un petit extrait. Vous savez que dans le live où je parlais de la brassière, on avait dit qu'il y avait un avant et un après Tabarly. Vraiment Tabarly pour la brassière, même s'il a jamais mise. Ben, c'est lui qui a fait le plus pour que les gens la mettent. Parce que quand il est tombé à l'eau, bon, voir la vidéo. Donc je vais vous lire juste la petite partie. Où il parle de lui, ça c'est les mémoires d'Éric Tabarly. Je vous invite à l'acheter, c'est un petit livre, c'est bien en mer et tout. Et en fait, il y a 4 lignes où il parle de lui et la brassière. Donc moi, je mets la brassière dans le cas des 8i. Et bien, Éric Tabarly, qu'est-ce qu'il dit sur la brassière? On est là dans son. C'est lui qui écrit sa vie. Hein. Il dit. Alors, la brassière, comme nous on la connaissait, autogonflante, elle n'existait pas. On avait soit le gilet de sauvetage, soit le harnais. Donc là, on va parler juste de la partie harnais. Le harnais, c'est avec la longe. Écoutez bien ce que dit Éric Tabarly. Il dit, le harnais de sécurité ne m'inspire guère confiance. Lorsqu'on doit manœuvrer, surtout en solitaire, ils sont gênants. On doit aller de l'avant à l'arrière et dans ce cas, le filin de sécurité qui glisse dans la filière doit être suffisamment long pour permettre aux marins de faire ses navettes avec une certaine liberté de mouvement. Inutile de préciser qu'entre le filet et la filière, cela crée d'innombrables occasions de s'emmêler les pieds et de trébucher. De plus, un homme qui tombe à la mer, alors que son bateau file à 7 nœuds ou plus, sera dans la plupart des cas entraîné dans le sillage et incapable de remonter à bord. Il faudrait pour qu'il s'en sorte qu'il ait basculé du côté sous le vent, à un endroit où il aurait le plat-bord à sa portée. Autant croire au miracle. Et je finirai par cette phrase-là. Le marin éjecté est un marin qui a manqué de concentration. Un vieux dicton dit, une main pour l'homme, une main pour le bateau. Voilà, c'était l'extrait d'Éric Tabarly. C'était un petit peu sa vision de la brassière. C'est vrai que on était toujours allé dans le plus de sécurité, plus de sécurité, plus de sécurité. Moi, je trouve que c'est logique d'appliquer la règle des 8i, mais à une autre époque, d'autres marins avaient aussi. Une autre manière de penser, c'était pas des mauvais marins, ça évolue. Et quand on lit ce que dit Éric Tabarly, c'est pas faux. C'est vrai que d'avoir la brassière, ben, ça peut engendrer aussi des problèmes. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture. Dans 90% des cas, ça va sauver ma vie. Et il y a 10% des cas où si la voiture est chavirée, si la voiture est renversée, ben, je peux être bloqué dedans avec ma ceinture. D'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous regardez sur Google, l'année dernière, il y a un bateau de la SNSM qui a chaviré.
en Atlantique, sur les côtes au sud, enfin, en France, qui a chaviré. Et il y a des marins du bateau de la SNSM qu'on a retrouvés coincés à l'intérieur parce qu'ils avaient leur gilet de sauvetage, qu'ils n'ont pas pu sortir à cause du gilet de sauvetage. Voilà. Donc, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. C'est bon de le savoir. C'est pas parce que vous avez la brassière que vous êtes invincible. Va falloir quand même rester prudent. C'est pas parce qu'on a la ceinture de sécurité en voiture qu'on doit rouler à fond. Eh bien, en mer, c'est pareil. Voilà, la brassière, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, il faut s'appliquer la même chose. Un mot pour résumer ça, une main pour soi, une main pour le bateau. Il faut avoir la main qui tient fort quand on se déplace et quand on est agi. On ne doit pas pouvoir se faire arracher. Voilà, donc c'était pour Tabarly. Deuxième petit livre que je voulais vous conseiller ce soir, c'est ce livre-là. C'est mon prochain livre que je vais lire. C'est Tavae, si loin du monde. C'est le récit d'un monsieur qui, en mars 2002, c'était un pêcheur dans les tueurs moutous. Et en fait, pendant 118 jours, il a erré en mer sur son petit bateau de pêche. Et donc, il explique comment il a dû vivre en osmose avec la mer. C'est des peuples de la mer là-bas. Et voilà. Donc, je vous invite à lire ce petit livre. Tabae, voilà. Moi, c'est mon prochain livre. Mais il est génial. Je l'ai retrouvé, je suis trop content. Alors, maintenant, les nouveautés coaching présence. Nouveautés, il y a plein de nouveautés. On ne sait pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas faire travailler son cerveau. Et donc, les nouveautés, c'est de vous dire que sur le site internet, j'ai sorti. Alors, vous savez, il y avait le e-learning. Le e-learning, c'était des parcours payants. Ben là, pour le confinement, en vue d'être déconfiné, pour avoir de la positive attitude et pour vous faire un petit peu rêver, parce que moi aussi, ça me fait rêver, sur mon site, j'ai mis 5 vidéos du parcours e-learning ça va être enlevé à la fin du déconfinement. Et c'est 5 vidéos pour comment on sort du port en catamaran. C'est un petit extrait et c'est pour se donner l'esprit de comment on va partir en mer. Voilà, comment on sort du port. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, lundi, j'ai fait aussi un live avec un coach, avec Julien, un collègue qui est coach. Et qui coach sportif, et on a fait un live comment s'échauffer en vue de faire du sport, en vue de faire de la plaisance. Voilà, donc c'est pas un grand sport la plaisance, on n'est pas des marathoniens, mais quand même d'être agile sur ses articulations, de faire attention à ses muscles, c'est bien pour s'échauffer. Voilà, donc sur le site internet, allez voir coachingplaisance.com, il y a le parcours e-learning. Parcours déconfinement, c'est un accès libre. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire, de créer un compte sur mon site internet, ce qui fait que, en fait, ceux qui ont un compte, ça permet, ils ont accès au quiz. C'est des petits quiz, c'est simple, mais au moins, comme ça, moi, je regarde le fait que vous soyez inscrit, je regarde les données, c'est pas revendu. C'est toutes ces données, là, à chaque fois que vous écrivez un truc, j'ai aucun partenariat, il n'y a rien qui est revendu, c'est juste moi, ça me permet de voir que les gens ont compris sur le e-learning. Donc, vous répondez aux questions. On peut faire le quiz qu'une seule fois, comme ça, on ne peut pas tricher. Et au moins, ça me permet de voir est-ce que j'ai été clair, est-ce que vous avez compris sur les tutos. Donc, il y a 5 tutos offerts gratuitement en accès libre. Et si vous vous connectez, en plus, vous avez les quiz en plus. Voilà. Et si vous n'êtes pas connecté, vous avez quand même accès aux 5 vidéos. Il y a des gens qui m'ont dit, on n'arrive pas à passer. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme entre chaque vidéo, il y a un quiz qu'il faut être inscrit. Ben, il faut être un peu malin. Donc, si vous n'arrivez pas à accéder aux 5 vidéos gratuites, ben, tant pis, créez un compte sur le site internet et puis vous pourrez accéder. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que vous avez vu, ça va évoluer. Il y avait un avant et un après. Et donc, nos vacances, elles vont évoluer. Jusqu'à présent, moi, j'étais concentré sur la formation. Le but, c'est de faire de vous de bons marins. Donc, j'avais tout axé sur la formation. Donc, il y avait plusieurs parcours de formation en pratique. Après, il y a eu la formation en e-learning. C'était 100% formation en coaching présence. Et bien maintenant, j'ai fait pour cet été, et on verra pour la suite, des escapades maritimes. Et là, ça sera pur plaisir, même si vous n'avez pas l'objectif d'être formé. La baignade, le vent dans les voiles, le vent sur le visage, les petits coins tranquilles, cool, les escapades maritimes sur le catamaran. Donc voilà. On va au départ de Marseille. Tous ceux qui voulaient partir à l'étranger et tout,
On va redécouvrir le plaisir de l'aventure en France, sur nos côtes françaises. Il y a la Corse pour plus tard, quand on pourra y aller, mais il y a tout le... À Marseille, regardez sur mes réseaux sociaux, là sur Facebook, j'ai publié, on peut faire plein de petites aventures, des vidéos. Franchement, c'est Marseille, les côtes méditerranéennes, c'est génial. C'est pas grave qu'on puisse pas partir à l'étranger, on va en profiter. Et en plus, ces escapades se font à bord d'un catamaran. Sur ce catamaran, il y a quatre cabines. Chaque cabine a son cabinet de toilette. Donc on est en fait en termes de comment dire de les gestes barrières, là il n'y a pas de souci. Quand on va se baigner, on est pas sur la plage, on a tout le monde et tout. Là on va être tranquille. Donc tous ceux qui voulaient partir en vacances et qui se disent bah ben, pourquoi pas faire ça, ben, c'est des vacances. On va le faire je vais vous faire un programme pure vacances. On va décompresser. Moi aussi, j'ai passé 2 mois, c'était stressant. On ne savait pas la situation, la santé des gens, tout ça. Voilà, l'été, il y a beaucoup de gens qui se renseignent. À la fin de cette vidéo, on va voir un petit peu, on va faire le point. Et en fait, voilà, n'hésitez pas. Je pense que ça va bien marcher. Ça va être cool. Voilà, on garde, de toute façon, le plaisir de la mer, il va toujours y être. On est des terriens et même si on a, même quoi qu'il arrive, on aura le plaisir de naviguer. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés de cet été, les escapades maritimes. Allez voir sur le site internet, vous allez voir, c'est tout expliqué, il y a les prix et on peut réserver en ligne. Et ne tardez pas parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont renseignés. Dès qu'on va avoir la fin du déconfinement, c'est parti, là, les dates, ça part vite. Voilà. Et je voulais terminer ce live pour faire un point sur la situation. Tout à l'heure, il y a eu notre Premier ministre qui a parlé, et moi j'avais annulé tous les cours jusqu'au 21 mai. Malheureusement, là, c'est comme ça. Ils ont annoncé, alors on n'en sait pas plus parce que c'est encore très très chaud. Le ministre, lui, le Premier ministre, il dit un petit peu ce qu'il en. Enfin, il dit la généralité, et après, en fait, sur le terrain, il va avoir les préfectures maritimes. Donc nous, en Méditerranée, on a une préfecture maritime, c'est la préfecture maritime méditerranéenne, qui elle, c'est elle qui fait la loi sur la mer, et c'est elle qui va donner les règles. Et en plus de ça, vous allez voir qu'il va s'imbriquer les mairies, parce que les mairies font pression sur l'accès aux plages et tout. Voilà, on n'en sait pas trop. Donc je ne peux pas trop vous en dire, parce que moi aussi, j'en sais pas trop. Mais dans tous les cas, normalement, à partir du 2 juin, on repart en mer. Les inscriptions sont. Là, j'ai fermé le site jusqu'au 8 juin. Voilà, je favoriserai tous ceux qui ont annulé et qui doivent repartir. Je pense à Nesquik. Nesquik, si tu me vois, le petit chien qui devait venir 12 jours avec moi en Corse et qui malheureusement. Enfin, qui viendra, mais ça va être un peu reporté. Nesquik, tu me vois? Un petit mot? Et il y a aussi il y a aussi mince, comment il s'appelle le docteur. Enfin bon, il y avait Fromentin, Eric qui vous devez aussi qui va repartir avec nous cet été, qui a repris qui a réservé déjà pour cet été et qui devait venir. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur le site internet, vous pouvez me contacter par téléphone, par SMS, n'hésitez pas, je suis chaud. Si vous avez des questions et tout, il y a des gens qui m'appellent, ceux qui hésitent, vous m'appelez, on trouvera toujours une solution. Voilà, on est là. Moi, franchement, ça fait 2 mois, je me languis d'être sur l'eau. Je sais pas vous, mais cette année, ça va être chaud, chaud, chaud. Je vois qu'il y a des petits messages qui sont passés, alors je vais vous lire les messages juste. Il y a Tony qui nous a écrit un message, alors. Chat en direct, tac, 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 tac. Alors, les messages. Sans coca, oui, bientôt, mais toi, c'est au mois d'octobre ou novembre que tu viens faire du bateau. Normalement, là, il n'y aura pas de souci. Alors, whisky, Tony, il a la liste. Laetitia qui dit parler, compter, c'est pas facile. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai vu une question? Marseille, les calanques, mais vous savez que qu'il y a, j'ai navigué
pas autour du monde, je connais pas tous les endroits du monde, mais j'ai navigué dans beaucoup de pays, j'ai vu des endroits magnifiques, des paysages magnifiques dans le nord de l'Europe, en Méditerranée, mais pour moi, number one, c'est la France. La France et les côtes françaises, number one. Donc si demain on aurait dit, ah, tu peux partir à l'étranger, mais tu peux pas naviguer en France, je serais vraiment déçu. Mais là, franchement, il nous reste le meilleur. Concentrons-nous, c'est pas la peine d'aller très loin. Là, il y a de belles choses à voir ici chez nous. Eh bien, on va en profiter. Et comptez sur moi, moi je vais en profiter. Alors, Tony qui nous dit, question sur les vidéos. Tu mets en dynamique moteur tribord avec dernier amarre à tribord. Oui, c'est oui. Oui, mais en fait. Alors, Tony nous pose une question sur la dynamique. Comment manœuvrer en dynamique? Tony, c'est un tuto, c'est une leçon que j'ai faite et qui est dans le parcours capitaine catamaran. C'est une leçon, je l'ai expliqué ça. Comment est-ce qu'on met le moteur tribord? Est-ce qu'on met le moteur bâbord? Est-ce qu'on met les deux moteurs? Je ne peux pas t'expliquer là comme ça, c'est trop compliqué. C'est une chose qui est déjà, même dans le tuto, j'ai eu du mal à l'expliquer. Il a fallu que je mette le drone en l'air, qu'on essaye à tribord, qu'on essaye à bâbord. Voilà, donc Tony, ben, soit tu joues au prochain jeu pour gagner le parcours catamaran, soit tu l'achètes. Et d'ailleurs, je tenais à dire qu'il y a une grande solidarité autour de ces parcours catamaran, beaucoup de positive attitude. Et en fait, du coup, quand on s'inscrit sur mes parcours, je suis conscient qu'ils ne sont pas terminés les parcours. Donc quand vous faites du e-learning chez moi, c'est illimité. Ça veut dire que je suis en train de construire, c'est la version 1. Il y aura la version 2, la version 3. On continue petit à petit. Donc tous ceux qui ont souscrit, ils sont bienveillants avec moi. Il y a la plateforme, c'est pas facile et tout. Donc voilà, si vous vous inscrivez au parcours de e-learning, sachez que c'est illimité dans le temps. Voilà. Et ça va évoluer. Tant que je ferai du coaching présence, ça existera et ça sera de mieux en mieux. J'ai plein d'idées et on continuera. Voilà. Je vous remercie à tout le monde. J'espère que ce live vous a plu et je vous dis à bientôt. J'avais prévu des lives où je comptais vous sortir en mer. J'ai prévu un live. Dès que la première fois que je pars en mer, je vous emmène en live et on essaye de faire un live d'une heure le soir, sortir en mer. Mais c'est pas pour de suite. Et pour les lives à bord du bateau, pour l'instant, je ne peux pas les faire parce que, y a le mécanicien qui travaille et on essaye de ne pas être ensemble collés. On respecte hein, jusqu'à la fin, de faire attention parce que c'est quand même une maladie. Et si on veut en profiter au maximum, moi, je conserve jusqu'à la fin le confinement. Voilà. Donc, à bientôt. Prenez soin de vous. On est chaud. Allez sur le site Coaching Plaisance. Posez-moi des questions. N'hésitez pas. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.